Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à un parcours thématique entre la célèbre nouvelle de Vercors, Le silence de la mer, publiée en 1942, et son adaptation cinématographique de 2004 par Pierre Boutron, qui nous propose un mélange entre Le silence de la mer et le récit, toujours rédigé par Vercors, ce jour-là. Nous irons premièrement parler de la vie de l'auteur, deuxièmement de la nouvelle Le silence de la mer comme œuvre emblématique de la résistance française avec une présentation des personnages et de l'intrigue, et troisièmement, nous irons comparer la nouvelle avec son adaptation cinématographique qui date de 2004, tout en proposant la question des thèmes abordés, du style d'écriture et quelques idées pour approfondir ou élargir le débat. Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, deux mots sur la vie de Jean Brulaire d'Hyvercorps. Fils d'un émigré hongrois venu à pied jusqu'en France, né en 1902, il débute comme dessinateur en 1921. Sa position change lors de l'occupation des Allemands en France en 1940, car à partir de ce moment-là, il commence à concevoir la presse clandestine comme une arme de combat. L'année suivante, en 1941, il crée les éditions de Minuit avec un ami. Paru le 20 février 1942, Le silence de la mer est le premier titre de ces éditions clandestines, devenu symbole de la résistance intellectuelle française face à l'occupation allemande. Cet auteur s'insère ainsi dans la tradition de l'écrivain engagé, à savoir celui qui met sa plume au service d'une cause sociopolitique importante. Le pseudonyme Vercors vient du massif des Préalpes françaises où les résistants se réfugiaient à l'époque. Mais pourquoi Le silence de la mer peut être considéré comme une nouvelle emblématique de la résistance française? Eh bien, la nouvelle en question nous raconte une histoire importante. C'est l'histoire d'un vieil homme et d'une jeune fille française, oncle et nièce, obligés à héberger un officier allemand sous l'occupation en 1941. L'officier allemand, Werner von Erenach, amoureux de la France et de sa littérature, essaie tout au long du récit d'établir un dialogue avec l'oncle et sa nièce, en parlant de son enfance, de sa passion pour la musique, mais les deux Français restent tout le temps en silence. Ce silence, alors, devient symbole de la résistance française face à l'occupation allemande, une arme donc pour combattre l'injustice d'une occupation imposée de force. Mais passons à présent au personnage de la nouvelle Le silence de la mer de Vercors. Eh bien, vous avez le capitaine Werner von Erenach, francophile, passionné de littérature française et de la France au sens large, compositeur et homme de grande sensibilité, qui suit une carrière militaire pour tradition familiale et pas forcément pour une vocation personnelle. Et encore le narrateur de la nouvelle, l'oncle, qui vit avec sa nièce au moment de l'occupation allemande. Dans l'adaptation cinématographique, l'oncle devient le grand-père qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et au final, la nièce dans la nouvelle, qui devient la petite fille dans le film, où elle s'appelle Jeanne, joue du piano et a perdu ses parents. Son père à la fin de la Grande Guerre, donc de la Première Guerre mondiale, et sa mère en 1932. Essayons de découvrir ensemble l'intrigue de la nouvelle. Comme on a déjà dit, l'histoire nous est racontée par l'oncle qui est personnage et narrateur à la fois, donc on constate la présence d'une focalisation interne. Le récit est écrit à la première personne du singulier. Les deux Français, l'oncle et sa nièce, doivent héberger chez eux un officier allemand sous l'occupation nazie. Bien loin du stéréotype du nazi méchant et cruel, Werner, l'officier, se révèle en réalité un homme convenable, cultivé, un compositeur, passionné de musique et de littérature française. Idéaliste, lié aussi bien à l'Allemagne qu'à la France,
Il voudrait unir ces deux pays qu'il adore en mariage. Pour atteindre cet objectif, il faut de l'amour, comme il déclare. Il décide donc d'établir un dialogue avec ce vieil homme digne et cette demoiselle silencieuse, mais l'oncle et sa nièce ne lui adressent jamais la parole pour protester contre l'occupation qu'ils doivent subir. Au fur et à mesure que le temps passe, l'officier allemand s'ouvre avec eux, en parlant de son enfance, de sa passion pour les auteurs français et les compositeurs allemands. De plus, il regarde cette jeune fille silencieuse dont il commence à tomber amoureux, et l'oncle comprend que sa nièce éprouve à son tour quelque chose pour le soldat. Néanmoins, rien n'est dit ouvertement, sauf un entrée messieurs de la part de l'oncle et un adieu final prononcé par la jeune fille qui fait sourire le soldat avant de s'en aller. Je cite le passage du texte qui se trouve vers la fin de la nouvelle, et il sourit de sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante, et la porte se ferma et ses pas s'évanouirent au fond de la maison. Du point de vue de la comparaison proprement dite entre la nouvelle de 1942 et son adaptation cinématographique de 2004, il faut souligner la décision du réalisateur Pierre Boutron de mêler la nouvelle de Vercors, Le silence de la mer, au récit toujours de Vercors, ce jour-là. En fait, ce jour-là raconte brièvement l'histoire d'un couple de résistants ayant un enfant. Au début du récit de Vercors, le père promène son fils pour la dernière fois chez une vieille amie, Madame Bufferand, qui s'occupera de lui lorsque ses parents ne seront plus là. En effet, le père a vu que le pot de géranium à la fenêtre de leur cuisine a disparu, tout comme sa femme. Et ce pot de géranium servait de signal d'alarme pour prévenir le père en cas de danger. Le père confie ainsi son fils à cette dame et se rend à la gare pour chercher sa femme qui se trouve dans un compartiment du train destiné au camp de la mort. Le père est arrêté lui aussi comme la mère de cet enfant. Et cet enfant entend la nouvelle de l'arrestation de ses parents en écoutant derrière la porte une conversation entre Madame Bufferand et ses amis. Le film de 2004 s'inspire des deux récits. À l'intérieur de l'intrigue du Silence de la mer, on retrouve la famille de résistants et le pot de géranium comme signe d'alarme. Voilà pourquoi le film, dont le titre est Le Silence de la mer, semble différent par rapport à la nouvelle, car il croise cette nouvelle avec le récit Ce jour-là, les deux, écrit par Vercors. Et prenons en considération l'analyse de l'œuvre afin de repérer quels sont les thèmes principaux à retenir. Eh bien, vous avez par exemple l'engagement littéraire, celui de Vercors, à travers ses publications clandestines des éditions de Minuit, comme forme de combat contre l'occupation de l'étranger. La résistance passive du silence dans la nouvelle où le silence incarne la seule forme de rébellion disponible pour les Français contre les ennemis allemands qui occupent la France. Et dans le film de 2004, l'union de cette résistance passive dont on parle à l'intérieur de la nouvelle à la résistance active de la famille de résistants provenant du récit ce jour-là. Et encore le thème de l'amour pendant la guerre. Dans ce cas, la naissance d'un sentiment entre deux ennemis. En parlant par contre du style d'écriture de la nouvelle, l'aspect qui domine est celui de la focalisation interne, puisque l'intrigue nous est racontée à la première personne du singulier par l'oncle. Les dialogues sont remplacés par une série de tirades presque théâtrales de la part de Werner von Ebernach, donc de la part de l'officier allemand. Et les citations ne manquent pas. Balzac, Baudelaire, Chateaubriand, Corneille, Racine, Molière, Hugo pour la littérature française. Et encore des grands noms comme Bach, Beethoven, Wagner, Mozart pour les compositeurs allemands. Et au final, La Belle et la Bête, métaphore du projet idéaliste de l'officier allemand
d'unir la France et l'Allemagne en mariage. Pour l'ouverture finale, je vous propose de réfléchir aux ouvrages qui parlent d'amour lors de la guerre et qui relatent une forme de mémoire de la guerre qui n'a pas forcément de lien avec une violence directe et l'idée du combat. Donc une réflexion à la mémoire d'ordre différent qui implique une sensibilité différente. Ici, je vous propose juste deux exemples. Vous pouvez approfondir à travers la lecture de Hiroshima, mon amour, par Marguerite Duras, dont vous avez là encore la réalisation du film. J'ai réalisé à ces propos une vidéo dont je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et pour un auteur allemand, vous avez Bernard Schlink qui a écrit Der Vorleser, The Reader, à voce alta. Pour conclure, ici vous avez le film Le silence de la mer qui date de 2004, dont je vais vous mettre toujours le lien en barre d'infos. Et voilà. Et pour aujourd'hui, pour notre vidéo consacrée à un parcours entre la nouvelle de Vercors et le film de 2004, Le silence de la mer, c'est tout. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.